Bonjour Zelda. Alors Zelda, comment ça va? Ça va, je suis un peu fatiguée. Mais ouais, je vois ça. Par contre Zelda, je dois te dire un truc. Zelda, normalement elle fume pas la clope. Écoute, Link il est pas là. Moi je connais Link, c'est mon pote, mais je lui dirai rien, ça va? Ah, tu diras à ce connard qu'il arrête de pêcher. Salut la fin Max, ici Tahiti, on est avec l'équipe QLS et je suis pas tout seul aujourd'hui. Sunny, let's go Medinazia, ça va être du lourd mon gars. Très heureux de découvrir cette Medinazia la fin Max. Yo la fin Max, c'est Quicky, la girls de l'équipe, vous allez kiffer. Yo la fin Max, c'est Zarok et c'est parti. Première fois de ma vie que je vais à la Medinazia. Les gars, ça va être de la folie. Y a Belle, mais qui est pas trop belle. La vérité, je suis un bâtard. 5€ s'il te plaît, mon ami. Ah ouais? Ah ouais? Ah non, je m'en fais exprès. Non, t'as pas fait exprès, ta mère a poussé tout seul. Mais non, mais j'ai pas fait exprès, je te jure. Les vrais mecs de DBZ, ils connaissent ça. Les gars, ça, c'est une référence. Ça, c'est de la lourdeur. Bon, après, le prix, c'est de la lourdeur aussi. Les vrais savent. Les vrais savent ce que c'est. Tracer, les vrais savent. Zarok, il est où? Stand Ankama. Ankama, une grosse boîte française. Ils ont commencé avec quasi rien. Ils ont sorti bien sûr le jeu super connu Dofus. On connaît l'enchaînement, les mangas, les films, les animés, bref, tellement de choses. Les jeux, bien évidemment. Une boîte de musique aussi. On peut voir le manga Wakfu ici. Du coup les gars, là on est avec Ancestral Z, donc c'est un des premiers dessinateurs Dofus, bien évidemment dans le Dofus Mag, on avait pas mal d'interviews de lui, et puis bien sûr, c'est lui qui a dessiné le premier manga Dofus, donc on va aller voir tout de suite. Content? Super content. La carapace bleue, frère. Ok, les Ferraren, aujourd'hui, on a fait la meilleure rencontre de la Medinazia avec Tricky. Ouais, et on a perdu aussi le groupe Ballet. Allez, on a perdu le groupe, mais c'est pas grave. Les gars, à la base, c'était le Padawan de moi et Tricky sur Smash, mais à l'heure actuelle, on peut plus l'appeler le Padawan. Ah non, il a progressé d'où? Il est trop chaud, le type, il défonce tout le monde. Les gars, j'ai nommé... Gonzandelua. Fais-moi un papapao. Papapao. Allez, merci, hein. Les amis, depuis tout à l'heure, je passe dans des stands, il y a des figurines de malades, les amis, elles sont super jolies, mais tu vois, Sony m'a un peu découragé pour l'acheter. Les gars, 80 balles une figurine, tu t'es pris pour qui? Un salaire, bro! You're not cold? Kind of bit, yeah, sure, but I mean, you have to suffer if you want to look good, right? Bon ben voilà, sur mon petit cherchage de cosplay, je pense que j'ai trouvé une toute petite cosplayeuse toute mignonne. Bonjour. Vous allez bien la femme? Ben non, c'est Zarok. When I saw her walking down the street, she looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say. Bon les amis, à ce qui paraît, il y a une licorne à dompter. Et là, on va lancer un vrai défi. La team QLS, elle va rentrer dans le bail. On va voir qui réellement a l'âme d'un cowboy. C'est comment on m'appelle? C'est comment on m'appelle? Moi, on m'appelle Woody, frérot. Eh les gars, c'est qui le streamer Red Dead Redemption, les gars? Oh, le costume, frérot. Le chapeau, j'avais tout. J'ai le lasso, frérot, j'ai tout ce qu'il faut. Les gars, c'est moi qui gagne cette fois-ci. Red Dead Redemption, cowboy, frérot. Pack, c'est parti. On tient comme on veut. C'est tout les gars. Je l'avais dit ou pas les gars?
cow-boy de père en fils. Regardez, attaque des titans, c'est de la dinguerie, il y a le chanteur et tout. Dagri, la vidéo vers Dagri. Vous regardez deux streams au moins. Oui. C'est vrai? Si. Tu joues à quel jeu? Tu joues à quel jeu? Le gaming Fortnite. À quel jeu je joue? À Super Smash Bros. Let's go! Oh, c'est des vrais, tu peux les filmer. Eux c'est des vrais. C'est comme vous allez passer dans une vidéo la classe.